Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne James Crab. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un haul action et un tout petit peu de Nose, mais pas grand chose. Chez Nose, j'avoue, je me suis pas lâchée. Mais par contre, chez Action, j'ai trouvé tout ce qui me manquait. Donc j'ai fait un gros craquage, oui, je confirme, un gros craquage. Donc voilà. Alors, on va commencer donc bien sûr chez Action, hein, parce que je pense que ça va être plus long. Donc j'ai commencé. Donc, j'ai pris donc ces cartes comme ceci en blanc. On connaît tous ça, hein, 15-15. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci, donc des aquarelles, des aquamarkers, pardon. Donc dans les tons violet et rose. Voilà. Ensuite, j'ai pris une trousse comme ceci, Pretty Thing Inside. Donc, de jolies choses à l'intérieur. Voilà. Donc là, je suis venue mettre donc mes Wink of Stella. Donc, ces fameux Sparkles Markers. Voilà. À l'intérieur, pour le moment. Voilà. Donc, j'ai pris cette trousse pour, juste pour ces fameux feutres pailletés, on va dire. Plutôt pinceaux pailletés. Donc, les Wink of Stella. Voilà. Un dérivé, bien évidemment. Ensuite, bah, j'ai pris cette petite trousse aussi parce que je me suis acheté ces fameux feutres bicolores là, magiques. Et je me suis dit pourquoi pas prendre une trousse et les mettre dedans et après me faire une petite étiquette que je vais venir coller ici. En fait, vous savez, avec le fer à repasser. Et je vais écrire ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà. Et je me suis pris deux trousses comme ça parce que j'ai trouvé juste sublime celle-ci. Parce que ça va me permettre de mettre aussi mon petit maquillage. Et comme il y a un petit une petite bouche comme ceci, je me suis dit tiens, pourquoi pas de faire office de trousse à maquillage aussi. Voilà, donc je me suis pris ceci et je me suis pris une autre trousse comme ceci à petits pois noir et blanc, donc pencil, donc crayon pour mettre pareil, hein, des feutres, des choses comme ça. Voilà, moi je suis très trousse, très sac, très petit, je sais pas, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Écoutez, vous savez quoi, je vais mettre mon set là parce que sinon j'ai pas. Hop. Voilà. Donc j'ai pris ces fameux brush markers comme ceci dans ces tons là. Voilà. Dans les tons bleus. Dans ces tons là. Dans ces tons là aussi. Voilà. Donc vous comprenez que j'ai besoin de beaucoup de trousse. Donc voilà. Et enfin, je dis ça, peut-être que je vais peut-être pas les mettre dans les trous. J'ai trouvé aussi une autre solution pour les voir de visu. En fait, de les voir en transparence. Donc je me suis pris je vous montrerai ça tout de suite de toute façon. Tout. Alors ça, je crois que j'ai plus que ça. Je sais plus. Ouais, moi je pense. Ah non. Et dans ces tons là. Donc dans les tons verts. Ensuite, j'ai pris donc ces fameux. Ah, et puis ces tons là aussi marron. Belle heure. Ensuite, je suis donc j'ai craqué, hein, j'ai vu quelques vidéos, quelques hauls. Et je me suis dit, écoutez, pour faire des petites créas, moi j'adore faire des fleurs et tout ça. Et y intégrer des petits décors avec ça, je trouve que ça peut le faire. Donc j'ai pris ceci. J'ai pris ces couleurs là. J'ai pris donc celui-là, c'est à part, c'est pour une autre personne. J'ai pris ces couleurs, donc dans les tons violets. Et je crois que c'est tout ce que j'ai trouvé, il me semble. Ah non, et dans les bleus. Ah ben non, j'ai des bêtises. Et donc dans les bleus. Voilà. Et dans les bleus. Et cela, c'est pour une autre personne. C'est la même chose. Ouais, j'ai pris la même chose. Voilà. Et je serais bien. Mais non. On verra. Déjà, je finis mon haul. Ensuite, j'ai pris ceci. Voilà. Donc, cela, c'est des paint markers. Donc, dans ces couleurs, j'avais pris une fois
dans une autre couleur. Et là, je me suis dit, tiens, je vais prendre ces couleurs-là. Parce qu'ils sont pas mal, hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, voilà, je ne vais pas prendre toutes les couleurs. Je prends juste les couleurs que j'affectionne le plus. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc ces fameux petits Twin Markers les dot fines. Celle-ci. Ceux-là, pardon. Qu'est-ce que c'est, ça? Une étiquette. Bref, donc dans ce thème là, dans ces couleurs, pardon. Ensuite, j'ai pris dans les tons bleus, j'ai pris dans les tons orangés, ocre, comme ceci, et dans les tons rose, bien évidemment. Et bien évidemment. Et dans les tons vert. Voilà. Et je vous dis, quand je me suis lâchée, bah, tout ce que je n'avais pas trouvé la fois dernière, ou les autres fois en fait, bah, je me suis dit, bah écoute, hein, vas-y, hein, lâche-toi, et comme ça j'irai moins, et puis je ne chercherai plus. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris ces fameux blocs comme ceci, des Valium Painters, ceux-là. Donc, dans cette couleur, donc vous les avez vus, hein, je vous montre vite fait, mais vous les avez vus, hein. Faire comme ça, voilà. Voilà. Ils sont juste magnifiques. J'adore, j'adore. Vraiment, j'adore. Dans les tons verts. Voilà. Dans les tons violets. Celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'aime. Trop beau celui-là. Ah ouais, trop trop beau. J'aime beaucoup. J'adore, j'adore. Regardez ça. Ah, ça fait un... Voilà. J'ai plein d'idées qui me viennent là pour faire des choses juste... Attendez. Là, il faut que je vous montre la fin. C'est pas possible. Trop beau. J'adore. Bon, là, est-ce que ouais, c'est la même chose? Donc voilà, et je les ai pris bien évidemment dans les tons. Bon, là c'est pastel, c'est toutes les couleurs. Voilà, donc je vous montre quand même vert kaki. Voilà, avec des glaces, c'est bien pour l'été. J'adore, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, les rayures, tout ça. Et oh là là, alors là, c'est ça, c'est plus pastel que ça, hein, excusez-moi. Mais ça, c'est plus joli. C'est trop beau, j'adore ces couleurs. Mais bon, c'est bien d'avoir tout. Voilà, j'ai voulu prendre tous les blocs pour, comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'adore. Il est trop beau ce bloc. Des couleurs vraiment doux. Franchement, regardez ça. Il est juste magnifique, cette couleur. Elle est... Oh, bref. Et donc, cette couleur-là aussi que j'aime. Dites-moi ce que je n'aime pas, franchement. Ben, j'aime tout. Ah, je suis en admiration devant mes blocs, là. Juste... Ah non, mais là, comme je vous dis, j'ai craqué. Hein. Donc voilà, et ensuite, bon, rien à voir, c'est pas des choses que j'aime, j'affectionne particulièrement, mais je sais pas, à vrai dire, j'ai aimé. Je suis pas très tout ce qui est léopard et tout ça, mais là, le fait est que le contour est en rose gold, et franchement, je me suis dit, ah, ça peut faire quelque chose, ça peut faire un truc sympa avec ça. Et puis, bah, bien évidemment, j'en ai pas pris un, j'en ai pris deux, parce que à chaque fois que je veux faire une phrase ou un mot ou une lettre, j'ai jamais assez de lettres. Donc, bah, pour le coup, j'en ai pris deux. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, voilà. Alors, c'est pas fini. Là, c'est juste un sac. Hein. Donc, j'avais mis tous les crayons et tout ça. Enfin, bref. Voilà, on va ranger tout ça pour laisser de la place pour le reste. Donc, bah juste quoi vous dire, trop contente d'avoir trouvé tous ces feutres magiques. Et puis, c'est une marqueur. Enfin, voilà,
voilà, je suis contente parce que la fois dernière, je n'avais pas trouvé. Et donc, là, je suis contente. Je suis contente. Voilà pour les feutres et tout ça. Ensuite, écoutez, j'ai envie de vous dire que j'ai fait une razzia aussi sur ces fameux paquets là. Ces fameuses fleurs. Juste. Hop, hop, hop. Oh là là, ça va? Vous n'avez pas trop le tournis? Désolée. Oh là, j'ai failli faire tomber mon... Bon, ça va, je pense. Ok, on y va. On continue. Oh Dieu, ça m'a fait peur. Donc, voilà, j'ai trouvé ceci. J'en ai repris parce que juste, je les adore, ceux-là. Franchement, ce mélange, il est juste superbe. Ensuite, j'ai pris ceci en violet, évidemment. J'ai pris en rose comme ceci. En rouge, oh là là, qu'est-ce que j'ai ce soir? En rouge, voilà. J'ai pris ceci en rose. J'adore celle-ci, j'adore. Ça, c'est trop joli, ça fait une super belle finition. Ensuite, j'ai trouvé ces fameux pads d'encre, ça y est, enfin. Enfin, quand je dis j'ai tout trouvé, non, j'ai pas tout trouvé. Donc, j'ai pris cette couleur-là. En fait, il me manque juste le paquet des tons bleus. Je n'ai pas trouvé. Mais bon, voilà. Je les ai repris en rose parce que je me suis dit ça. Hein. Et en noir, voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Le reste, c'est pour une amie aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé, en fait. J'ai trouvé ceux-là, je les avais déjà, les roses. Et donc, j'ai repris ceux-là, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai repris ceux-là et les roses. Les roses, ça, je les avais. Et j'ai trouvé ces deux-là. Il me manque plus que les bleus, en fait. Parce que j'avais trouvé 3 paquets la dernière fois. Et là, il y en a 6. Et là, il ne me reste plus que les bleus à trouver. Donc voilà. Ensuite, voilà, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. En fait, voilà, je me suis pris ça. Donc, c'est vous connaissez, hein, c'est un organisateur pour des aliments pour mettre dans le frigo. Moi, je les ai pris parce que je me suis dit de mettre mes stylos, mes feutres et tout ça en transparence pour que je puisse les voir où ils se trouvent et ranger comme ça. Puis j'ai envie de changer un petit peu ma scrap room. Je voudrais donc je me suis pris ça, j'en ai pris 2 comme ça, donc je vais pas vous sortir les 2, mais voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite, j'ai pris ces fameuses fleurs encore, hein, voilà. J'ai pris, alors ça c'est un bien de nose, donc on va le mettre là pour le moment, je vous montrerai après. Et je me suis pris 3 bacs comme ça pour mettre donc tous mes dyes et mes tampons clear. Voilà, j'en ai pris 3 comme ça. Et voilà, pour parce que là, je n'ai plus bague. J'ai plus de comment on appelle ça, les papiers aimantés là pour mettre mes dyes. Donc pour le moment, je vais les garder dans les sachets d'origine. Et puis je les mettrai à l'intérieur dans ces. Voilà, dans ça. Hein. Dans ça, pour l'instant. Voilà, dans ça. Donc j'en ai pris 3 pour le moment. Voilà. Et bien évidemment. Oh voilà, il y en a encore 2. J'en ai pris 4 comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, le reste, c'est les boîtes. Et puis les trousses, comme je vous avais dit tout à l'heure, que j'avais pris pour le maquillage. Voilà. Alors, vous savez quoi? Comment j'ai craqué? Mais alors, comment j'étais heureuse? Mais heureuse d'avoir trouvé ces dyes, enfin. Parce que la fois dernière, quand j'y suis allée, j'avais trouvé les fleurs. Et en sortant de l'action, quand arrivée à la maison, j'ai vu que j'avais une notification de Douceline qui présentait justement les derniers dyes qui étaient sortis. Et je sortais d'action, je dis oh mince. Et moi je les avais pas vus, donc pour moi c'était pas trop grave parce que je n'y étais pas.
Et là, quand j'y suis allée, bah, c'est pour ça que je vous dis, j'ai fait une razzia. Voilà, donc j'ai trouvé ces fameux dice, les derniers qu'ils ont sortis chez Action. Voilà. Voilà. J'avoue, j'ai tout pris. Hein. Et hop. J'étais tellement contente de les trouver, je me suis dit, allez, de toute façon, moi, je les prends, puis après, des fois, je vais pas m'en servir pendant des mois, on va dire, et puis, ben, après, je me dis, ah, oh, je pourrais faire ça avec ça, ah, oh, je l'ai en plus, ah, oh, c'est cool. Et donc, voilà, pourquoi je les ai tous pris. Voilà. Celui-là, il est marrant, il est bizarre, mais je l'ai pris quand même. On peut faire pas mal de choses aussi avec, vous savez. Ouais, ouais, j'ai une super idée. Quand je la ferai, ben je vous partagerai ma créa avec ce dice et ces fameux dice. Donc voilà, et je suis trop contente. Donc il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc il y en a 8 et je suis juste trop, quand je vous dis trop contente, mais trop contente. Voilà donc mes dice de chez Action. Voilà, voilà. Donc voilà pour Action. Et écoutez, hein, ça va être rapide. Chez Noz, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé donc ces fameux petits napperons. Donc moi, je suis pas shabby, je suis pas vintage, tout ça. Quoique, des fois, si, un tout petit peu. Vraiment une petite note. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais les prendre. Ils étaient à 75 centimes. Et j'ai dit, j'en prends 3, comme ça, ben, si à l'occasion j'ai un concours sur le thème de vintage ou voilà, ou shabby, je sais pas, ben, je verrai, j'aurai ça déjà pour commencer ma créa. Voilà. Donc, je me suis pris 3 comme ça. Ensuite, j'ai trouvé ces petites cartes comme ceci. Il y en a 50 à l'intérieur. Pour 50 centimes, franchement, trop trop chou. C'est du A7, donc c'est vraiment petit. Et regardez-moi ça, cette couleur, elle est juste sublime. Donc c'est un rose poudré, juste magnifique. Donc voilà, et j'ai trouvé ces fameux petites... je sais pas comment on appelle ça. Bon bref, ceci, en forme de chouette, juste trop mimi. Et voilà, pour mettre mes petites perles et choses comme ça. Donc, j'en ai pris 2 comme ça pour 1,99€. Et j'ai trouvé tout simplement chouette, quoi. Hein, n'est-ce pas? Chouette, chouette. Donc, voilà, je m'en suis pris 2 comme ça. Donc, voilà, voilà pour ce haul Action et Noz. Voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.